Bonjour à toute la communauté Mastersoft. Aujourd'hui, nous venons pour une nouvelle vidéo où nous aurons une petite formation sur l'utilisation du Solver. Le Solver Excel est un programme macro complémentaire que l'on trouve dans les menus outils d'Excel. Il permet de maximiser, minimiser ou définir sous certaines contraintes une cellule contenant une formule utilisant des variables. Le Solver est parmi les outils puissants de prise de décision en entreprise. Devant nous ici, nous avons un petit tableau de vente annuelle 2021, subdivisé en 4 trimestres. Là, je signale que c'est un petit exercice monté de toutes pièces qui n'a aucune relation avec les ventes réelles. De votre côté, vous allez utiliser le solver avec des données réelles. Revenons à notre exercice. Comme je disais tantôt, nous avons une année 2021 divisée en 4 trimestres. Arrivé à la fin de l'exercice, on se rend compte que le résultat réalisé est inférieur à l'objectif fixé. Nous ne sommes pas arrivés à satisfaire la demande des autorités. Maintenant, en 2022, on nous fixe ici un objectif de 500 000 euros, sachant que l'année passée, nous avons atteint 373 384 euros avec une quantité totale de 3 391 articles vendus, avec les frais de publicité de 36 200 euros, le frais de transport à 5 850 euros, le frais de communication 4 350 euros et les autres charges 14 500 euros avec un total dépense de 60 900 euros. Comme résultat final, 373 384 euros. Maintenant, vous êtes parmi les responsables qui prennent les décisions en entreprise et vous vous êtes fixé un objectif de 500 000 euros pour l'année 2022. La question qu'on nous pose ici, quelles sont les quantités à vendre par trimestre pour atteindre un résultat annuel de 500 000 euros, sachant que les frais de publicité doivent être strictement égaux à 25 000 euros. Les frais de communication égaux à 4 000 euros et les autres charges inférieures ou égales à 9 000 euros. Devant cette situation, certainement que vous aurez beaucoup de difficultés pour estimer qu'est-ce que je peux vendre, quels sont les frais de publicité que je vais placer par trimestre pour respecter la contrainte de 25 000 euros, quels sont les frais de communication que je vais mettre pour respecter 4 000 euros, quels sont les frais des autres charges que je mettrai en place pour être inférieur ou égal à 9 000 euros, vous voyez, ça c'est vraiment très compliqué. Raison pour laquelle nous allons utiliser un outil puissant d'Excel qu'on appelle Solver. Ok, c'est parti. Comme je dis à l'introduction, le Solver est parmi les outils macro complémentaires d'Excel. Observons l'onglet Données. Nous avons un groupe récupéré, transformé, connexion, trier et filtrer, outils des données, prévision, plan. Vous voyez ici, je n'ai absolument rien. Pour résoudre cet exercice, afin d'atteindre un objectif annuel de 500 000 euros, je vais d'abord activer le solver. Comment l'activer? C'est simple. Je clique sur Fichier. Je viens sur Autre. Je clique sur Options. Devant moi, j'ai une grosse fenêtre d'options d'Excel. Général, formule, vérification, enregistrement, langue, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse ici, c'est de cliquer sur complément. Je clique complément. Je descends ici, gérer. Dans gérer, je prends complément
Excel. Je clique sur Atteindre. Voyez, nous avons Analysis Toolpack, Toolpack VBA, et puis ici, Complément Solver. Observez toujours là où je vous ai montré au début, c'est vide. Je vais cocher Complément Solver. Et puis je valide par OK. Voyez, il y a un autre groupe qui vient d'apparaître, le groupe Analyse, avec à l'intérieur l'outil Solver. Ce que vous devez retenir, la cellule à optimiser, donc c'est-à-dire l'objectif de notre calcul, doit obligatoirement contenir une formule. Donc, n'allez pas optimiser une cellule qui n'a pas de formule. Et cette formule doit être en relation avec les données de votre tableau. Par exemple, ici, les résultats que nous voulons optimiser est en relation avec les montants de vente ainsi que les charges. Donc, je ne vous demande pas d'aller optimiser une cellule ailleurs qui a peut-être une autre formule, par exemple, ça, plus ça, par exemple. Ce n'est pas notre objectif. Donc, la cellule à optimiser doit avoir une relation directe avec notre objectif. Bien sûr, une relation indirecte peut aussi exister. On verra cela dans d'autres exercices plus tard, lorsque nous allons développer les solveurs, parce qu'ici, c'est juste une petite initiation. Nous allons maintenant commencer par résoudre. On nous dit quelle quantité à vendre par trimestre pour atteindre un résultat annuel de 500 000 euros. Alors, l'objectif, c'est d'optimiser le résultat annuel ici, en jaune. Je vais lancer le solver. Je clique sur Outils Solver. En première position, nous allons définir l'objectif. Pour notre cas, l'objectif se trouve dans la cellule F15. Donc, ici, je vais cliquer sur F15. C'est ça l'objectif à définir. Est-ce que nous voulons maximiser les résultats, minimiser les résultats ou atteindre une valeur précise? Dans notre cas, nous voulons atteindre 500 000 euros. Donc ici, nous allons cocher valeur. Et puis, dans la case d'à côté, nous allons marquer 500 000. 500 000 euros. Maintenant, on nous demande quelles sont les cellules variables, c'est-à-dire quelles sont les cellules que l'outil Solver ira modifier. Dans un premier temps, nous allons sélectionner les ventes, parce que la question nous dit quelles sont les quantités à vendre par trimestre pour un résultat de 500 000 euros. Donc, nous avons le droit d'écrire ici. Également, avec la touche CTRL, nous allons sélectionner la deuxième plage parce que nous voulons également modifier quelques informations ici, notamment la publicité, le frais de communication et puis les autres charges. La sélection est terminée. Je reviens en arrière. Maintenant, nous avons des contraintes. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Les frais de publicité, si, qui s'élèvent actuellement à 36 200 euros, doivent être obligatoirement strictement égaux à 25 000 euros. Bon, en fait, c'est juste un exemple. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ici, contrainte, je vais cliquer sur ajouter. Ajouter contrainte, bien sûr. Clique sur ajouter. La référence de la cellule à modifier, c'est la cellule publicité ici, le total de publicité, qui doit être strictement égal à 25 000. Je vais saisir 25 000 euros. Je vais ajouter
une autre contrainte pour le frais des communications qui doivent être égal à 4 000 euros. Vous voyez ici, c'est déjà 4 350. Quelle cellule a modifié? Frais de communication égal, strictement égal à 4 000 euros. J'ajoute. Et une troisième opération, c'est d'optimiser les frais des autres charges qui doivent être inférieurs ou égaux à 9 000 euros. Parce qu'ici, nous sommes déjà à 14 500, vous voyez. Or, l'objectif, c'est d'optimiser ces résultats ici. Donc, la cellule autre charge doit être inférieure ou égale à 9 000 euros. Après tout ça, je clique sur OK. Je reviens à la partie principale. Qu'est-ce que vous remarquez ici? J'ai trois contraintes. F11 égale 4 000 euros, frais de communication. F12 égale inférieur ou égal à 9 000 euros, les frais des autres charges. F9 égale 25 000 euros, donc frais de publicité. Après avoir défini l'objectif à optimiser, après avoir sélectionné les cellules variables où Excel a le droit d'écrire, et après avoir placé les contraintes, si nécessaire, parce que ce n'est pas aussi obligatoire, je clique sur Résoudre. Résoudre. Il faut bien mettre à l'esprit les chiffres que nous avons ici. Par exemple, 720 ou 750, tout ça, il faut bien regarder. Hein? Vous voyez les chiffres? Je clique sur Résoudre. Voilà. Résultat du solveur. Le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation. Il nous demande ici de conserver la solution du solveur ou de rétablir les valeurs d'origine. Nous allons conserver bien sûr la solution du solveur. Dans un premier temps, je vous montre une chose ici. Nous pouvons produire un rapport. Donc, je clique sur Réponse ici. Et puis, je clique sur OK. Vous voyez automatiquement ici la réponse est de 500 000 euros. Donc, la valeur initiale ici de 720 articles par trimestre pour le premier trimestre est passée à 876. Regardez, deuxième trimestre c'est 850. Maintenant, 1071. Ainsi de suite. Donc, pour atteindre notre valeur cible de 500 000 euros, nous sommes obligés de vendre 4 232 articles. Contrairement à l'année passée où nous avons vendu 3 381 seulement. Alors, la contrainte ici est respectée. Vous voyez, les frais de publicité s'élèvent à 25 000 euros, comme défini dans nos paramètres. Les frais de communication égal à 4 000 euros. Et puis les autres charges, 8 876 euros, parce que nous avons dit c'est inférieur ou égal à 9 000. Vous voyez déjà l'optimisation des charges des 60 000 quelques à 43 706 euros. Et notre résultat, bien sûr, à 500 000 euros. Nous pouvons jeter un coup d'œil ici. Nous avons les rapports qui ont été générés par Excel. Vous voyez, patati patata, tout ça avec le moteur GPS. Mais regardez ici, l'objectif de valeur. F15, résultat total. La valeur initiale était à 373 384 euros. Et la valeur finale, 500 euros. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est un petit rapport. Hein, c'est un petit rapport. Le premier trimestre, quand tu es vendu, l'année passée, 720 pièces. Et cette année, 876. Le deuxième trimestre, c'est 850. Vous voyez? Donc, en fait, Excel a produit un petit rapport pour vous faire une idée de tout ce qui s'est passé dans notre travail. C'est très simple, n'est-ce pas? Donc, le solveur est un outil puissant
qui vont vous permettre d'optimiser les résultats. Je rappelle que la cellule qui doit atteindre cette optimisation doit avoir obligatoirement une formule et doit avoir une relation directe ou indirecte avec les données à modifier. Pour déclencher le solveur, j'ai cliqué sur Fichier, Autres, Options, Complément Excel, Atteindre, cocher Complément Solveur, valider par OK, et vous verrez la présence de l'outil Solveur dans l'onglet Données. N'hésitez pas d'essayer de votre côté et me dire si vous avez réussi à installer le solveur et que vous avez réussi à créer un petit tableau pour l'optimisation des résultats. Sachez que ceci est un exemple juste pour vous faire une idée. Ça me fera vraiment plaisir de recevoir vos réactions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas surtout de vous abonner et de cliquer la cloche des notifications pour recevoir nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve la prochaine vidéo. Ciao, ciao.